Ok, let's go, on commence. Peu importe. Peu importe le débat. On commence. On finit ce jeu-là. Malgré tout, j'aime bien le jeu. Je suis capable de faire extraction. Extraction. Désolé, mon petit. Tu ne peux pas jouer par ici. L'usine Neko Corps n'est pas un endroit pour une petite boule de poils comme toi. L'accès est interdit, mais seulement pour quelques temps. Si tu peux patienter quelques années, on réouvrira bientôt. Attends une minute, lui, il faut lui donner un objet. Il faut qu'il y ait un pass. Écoute, merci King, mais je pense que chaque streamer essaie de faire le mieux qu'il peut, genre avec ce qu'il y a, genre, je sais pas comment expliquer. C'est pendant un bout, moi aussi, j'en ai fait des jeux, mettons, genre 3 mois d'Animal Crossing. Fait que peut-être que lui, il est dans une phase où, je sais pas, il a pas envie de suivre les sorties de jeux, ça l'intéresse pas. Fait que, je pense que c'est relatif, mais c'est gentil. Cet escroc de marchand m'a vendu une batterie défectueuse l'autre jour. Maintenant, il fait semblant de ne pas m'entendre quand je veux lui en parler. Si les sentinelles ne patrouillaient pas dans le secteur, il finirait en pièces détachées. Incroyable. Ah, regardons ça, c'est quoi ça? 2458, Ed Doc. C'est quand même pratique, ça. Admettons que t'as un client qui t'emmerde, genre. Mettons que t'es à job, là. Ah, si mes cheveux ils tombent sur le côté en plus. J'ai mis du spray. Il y a un cône sur la tête. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est quand même cool. Il y a une deuxième grosse ville dans le jeu. J'ai passé dans la ville en dessous. J'avais un ami là-bas, Fifi. Je ne l'ai pas vu depuis des lustres. C'est quoi, genre, lui c'est Loulou, genre? Fifi, Loulou, Avant, je tenais un bar. C'était l'endroit le plus confortable du coin. Jusqu'à ce que je prenne un coup de tournevis dans le genou. Et là, j'ai dû fermer. J'aime ça comment les robots peuvent pas être réparés, genre. On a des problèmes d'humain. Même si ce type me déprime, c'est mon seul client. Essaie de ne pas le faire fuir, s'il te plaît. Bon, on va rien apprendre ici. On va rien apprendre. What? C'est téléporté. C'est une police. C'est quoi mon but? Faut trouver comment sortir d'ici. Balthazar a parlé de quelqu'un qui s'appelait Clémentine. Elle pourrait nous aider. Trouvons-la. Attends une minute, cette photo et les symboles au dos pourraient sans doute nous aider. Au dos? Cinq points rouges, trois points verts. On va dire, mettons, N-O. Plus c'est mouillé, ça va bien. Marchand, c'est comme moi, j'ai seulement un viewer sur mes lives. Ah, écoute, c'est tough. Je sais pas si tu commences, ça fait longtemps que t'en fais. Là. Attends. Oui, le premier symbole, c'est une rue. Puis c'est un étage et un numéro de porte. Ah. Attends une minute, c'est une rue qui dit. C'est une rue. J'ai rien à enquêter ici. D'après moi, là, c'est comme... C'est comme le premier hub, là. Ça donne à rien de trop explorer. Vaudrait mieux. Désintégrer.
Le chat tellement pognait pas. Attends, mais tu sais qui voit les numéros, les noms de rue? C'est ça un nom de rue, ça? Une énigme. On va être par là, les appartements. Ah! Oui! Oui! Une minute. On est d'accord, c'est le même symbole, je pense. Complètement. Ok, vert 3 fois, rouge 5 fois. C'est le 3e étage. Ah, c'est ça! C'est ça! Là, on est au 2e. C'est ça? C'est ça, là, faut monter au 3e. Ok. 3e étage. 5e maison. Bof, 10 ans. Mais j'arrête puis je reviens. Je dois... Ben, en fait... Ce qui aide beaucoup, je trouve, dans le streaming, c'est de vraiment... Quand tu tombes sur un concept ou un jeu... Ah, shit! C'est là. C'est là, mais je peux y aller. Ce qui aide beaucoup dans le streaming, là, c'est que quand tu trouves le contenu qui fonctionne, tu le lâches pas pendant un bout. Puis de petit à petit, t'essaies d'amener ta commu, genre, sur... Mais c'est sûr, si t'es pas régulier, faut vraiment s'investir. Moi, j'ai eu la chance... J'ai eu la chance, entre parenthèses, de recommencer à streamer au début de la pandémie. Wow! C'est Clémentine? C'est un voleur. Ah, c'est Clémentine. Je t'avais pris pour une 100... Laisse tomber. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Attends. Alors, Sbalthazar s'est résolu à envoyer quelqu'un? J'imagine que tu es ma nouvelle recrue. Tu n'es pas bien gros. Comment as-tu fait pour franchir les égouts? Tu dois être bien malin. Je cherche un moyen d'accéder à l'extérieur depuis que j'ai quitté la fourmilière. Mais les sentinelles ne lâchent pas leur surveillance. Puisque tu es là, tu peux te rendre utile, suis-moi. Oh, mais sa porte est barrée. Salut, hey, ça va bien? Bien le bonjour, les petits amis, ça fait un moment, ben oui. Bien le bonsoir. Je prépare un plan pour utiliser ce vieux métro depuis un bon moment maintenant. J'ai même les clés pour commencer. Il ne nous manque plus qu'une pile atomique pour alimenter. Je sais que Neko Corporation en cache une dans son usine. J'ai un contact qui pourrait nous aider à nous infiltrer. J'ignore son nom. C'est le robot qui porte une veste bombée et une chaîne en or. Porte-lui ce message. Un être aussi petit et vif que toi ne devrait avoir aucun problème à se faufiler à l'intérieur de l'usine. Une dernière chose, n'hésite pas à demander de l'aide autour de toi. Cette ville regorge d'informations. Ne t'approche pas des sentinelles. Incroyable. Incroyable, on a trouvé enfin quelque chose. Une veste bombée. Une veste bombée avec une chaîne en or. C'est pas lui. Ok, mettons qu'on parle à lui en premier. Je me rappelle rien, désolé. Bon, parfait. Mais là, ça doit être un gars... Attends une minute. Je sais où est-ce qu'on va aller. Il y a un magasin. Si il y a bien quelqu'un qui vend des vestes bombées puis des chaînes en or, ça doit être au magasin. Fait que si on va parler au commerçant, au marchand. Il va peut-être nous dire à qui en a vendu. On n'est pas là pour parler de moi. Ouais, non, mais c'est pas grave.
Ça me dérange pas de parler de ces trucs-là. Es-tu un de ces punks qui écoute de la musique à fond toute la journée? Ne touche à rien. Ne fais aucun bruit. Ne demande aucun crédit. Ah mais oui, mais c'est Blazer. C'est un habitué. Je viens de le voir rôder derrière ma boutique. J'ignore ce qu'il mijote. Voyez? Easy. Easy, on peut-tu aller là? C'est-tu lui? Ce gars-là? Derrière ma boutique. Quand il dit derrière ma boutique, parle de l'arrière-boutique. C'est lui? Ah, c'est lui! Je suis occupé. Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que t'as eu ça? Oh! Tu es avec les ex, mon contact? Je vais t'expliquer pour la pile atomique. Cette pile alimente l'usine NecoCorp, qui est tout près. Mais tout le secteur est interdit et lourdement gardé. Ils fouillent tout le monde et refusent quiconque n'est pas un ouvrier. Mais j'ai une idée. Trouve-moi une veste d'ouvrier et un casque d'ouvrier pendant que je reste ici pour découvrir le bon moment pour entrer. Une veste puis un casque d'ouvrier. Ça y est. C'est qu'on pourrait trouver ça. C'est qu'on pourrait trouver ça. Une minute lui, là. Il a l'air louche. Je sais pas s'il y a un marchand ou... En tout cas, c'est cool, il y a quand même une deuxième ville. Les barmen, ils ont tout le temps quelque chose à raconter. Qu'est-ce que je lui sers aujourd'hui au petit monsieur? Salut Ego, ça va bien? Toujours aussi soigneusement toiletté. Ça va bien? Notre monde doit te paraître gigantesque vu tes petits yeux. J'aimerais bien être aussi petit que toi pour explorer les moindres recoins. Là, j'ai rien dans mon inventaire. Ça, à l'arrière, il est complètement lubrifié, ouais. Mais c'est pas le barman que je veux parler! Ouais... Il est tout pipou ce jeu, petit monsieur. Ça sort les cassettes. Hey, ces cassettes sont à nous. On ne t'a pas appris que voler c'était mal? Je peux t'en donner une, mais tu dois faire quelque chose pour Jean-Ma, Miko et pour moi. Les sentinelles ont installé 3 caméras de sécurité pour nous surveiller. On n'a pas ça. On n'aime pas ça du tout. Tu peux nous en débarrasser? Ah
Ah ouais. Peut-être que... Peut-être que si on débarrasse les caméras... Ça l'a cassé, ok, parfait. T'es où l'autre caméra? Parfait. Il y a deux caméras ici, puis il y en a une troisième en haut. Ok. Bien le bonsoir, salut Gab, ça va bien? Le chat! Ok. Il n'y a plus de moyen de sauter. Peux-tu aller en bas? Genre là? Ah oui, ça fonctionne. Bien joué! Je ne t'en croyais pas capable. Tiens, prends ta récompense, tu l'as mérité. Une cassette. Bon, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Salut Fenray, ça va bien? C'est la finale, oui, c'est la finale. Il reste peut-être 2-3 heures au jeu, là. De qu'est-ce qu'on a compris hier? Va falloir là présentement, j'essaye d'infiltrer une usine. Puis pour infiltrer cette usine-là, il me faut des habits d'ouvrier. Puis là, ben, je vais essayer de trouver où est-ce qu'on peut trouver des habits d'ouvrier. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, je tourne en rond, puis je me dis, c'est clairement pas ici. Mais j'ai une cassette. Une vieille cassette. Bon, ça sert à rien ici. Peut-être en revenant en arrière. Regardons ça. Peut-être que quelqu'un va ouvrir la porte. Salut Yann, ça va bien? C'est quoi le speech du jeu? La personne que tu essaies de joindre est monumentalement indisponible. Timmy, arrête tes bêtises! Timmy? Bon. Faut enquêter. Qui c'est qui peut me donner ces informations-là? Qui pourrait avoir envie d'une cassette? Attends une minute. C'est-tu des vêtements d'ouvriers? Ah! Mais non, mais calme-toi, pourquoi il fait... Personne ne peut rentrer dans la boutique pendant le réapprovisionnement. Et vu l'incompétence de ces deux-là, ça pourrait prendre du temps. Ça fait des heures que j'attends... Stuplachi? C'est quoi ce nom-là? Pour m'aider à livrer les chapeaux. Le patron n'est pas content. C'est encore en train de traîner au bar. Il va le payer cher. Oh, ça doit être ça. Ça doit être ça, man. On va sûrement avoir un casque de construction. Regardez, c'est qui pourrait avoir le nom. C'est plus de bord que je pense. Ouais? Très bientôt, ça va super bien. Résumé, miaou 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 miaou. Le truc le plus atroce. Que puis-je faire pour toi, chef? Ouais. Bon, on a quatre choses, nous.
Il y a clairement un chapeau. Regardez, là, on le voit, là. Il y a un chapeau de construction ici, là. Il faut sûrement que j'essaie de... de trouver l'autre gars. Avec qui il travaille. Mais il est où, ce gars-là? Ouais... c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Il faut sûrement trouver un gars qui est habillé pareil. Peut-être qu'il est au début, à l'entrée. Je vais fermer des gages, ok. C'est lui? Non, c'est pas lui. Il y ressemble. Ça doit pas être lui. Pas son nom? Non, c'est pas lui. Ah non, pas un autre que je peux faire tomber? J'ai essayé Stray, j'ai pas trippé perso, j'aime écouter quelqu'un y jouer, mais pas y jouer sadly. Ouais, je peux comprendre un peu le... je pense que ça s'adresse pas à tout le monde. Ah, j'ai pas pogné mon souvenir qui était là? Ah, le jeu, il est sous? Oh, ça a pas sauvegardé hier. Hey boy. Lui s'en fout, même s'il y a une radio. Mais là, tu y as joué pas longtemps, ça veut dire fin de rien, non? Ah, t'as une minute, c'est quoi ça? Accès au niveau inférieur strictement interdit pour cause de danger biologique. Veillez ne pas approcher ce secteur. Ok. Oh my god, je suis pris dans les... dans les bacs. Pas tant que ça? Ok. C'était-tu au moins rendu à la première ville? Oui, oui, ok. Salut, je fais le travail à plus. Ok, mon chou, fais attention aux sentinelles. Ils ont tendance à t'arrêter pour rien. Ne t'inquiète pas pour moi, mon chou, ça va aller. Personne qui sort, ok. Il est où l'autre? Remile. Il a vraiment dit au bord. Je devrais peut-être vraiment aller au bord. Parce que là, mais pourtant, il y a personne qui t'a mis. À part le gars qui est complètement sous. Ou lubrifié, je sais pas trop. Ah ouais, ça va sûrement être utile tout à l'heure. Ça doit être vraiment être le gars qui est sous, bon. À moins que c'est lui. Ok. Il y a des bonnes idées, pareil. Pour vrai, il y a des bonnes idées. Hey, j'ai lu aujourd'hui que le studio récoltait de l'argent pour sauver des chats avec la vente du jeu. C'est cool. Ah, c'est nice. Une belle initiative. Attends, mais c'est quoi ça? Un styliste.
sais, le travail, c'est le travail sleepy. Il faut bien garder ça à l'esprit. Hein? C'est un sentinelle, lui? Vas-tu me courir après? S'en fout complètement. Ok. C'est clairement lui. Ça doit clairement être lui. Ah, peut-être pas, c'est lui! Ah, oh, stick! C'est le gars qui est sous là! Un chat, là, quand ça fait tout tomber autour de toi, là, me semble ça réveille. Non? Si je miaule. Pauvre robot, qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais il faut que je le réveille! Parce que lui... Attends, si je saute... Ah oui, c'est bon, ça! Ça, c'est vraiment l'habitude. Ça, c'est un vrai chat, ça. Ça, c'est un vrai de vrai chat, man. Tabarnak, oui. Il a pas l'air bien. C'est bon, man. C'est bon. C'est bon. Let's go. Excellent. Mon chat m'a déjà réveillé parce que, pour une fois, j'avais un verre d'eau. Hey, pour vrai, mon chat m'avait déjà fait ça dans le temps quand j'avais un chat. Je mettais tout le temps un verre d'eau pas loin de mon lit. J'ai vu que j'avais des tablettes en haut de ma tête. Le verre m'était tombé dessus, j'étais vraiment surpris. Hein. Ok, let's go! C'est parti! Ah ouais. Une petite trappe, check ça, je la vois d'ici. Parfait. Ah ah ah! Ok, good, on a le casque. On va aller voir le gars. Peut-être qu'il va nous donner un renseignement sur le. Ah, c'est pas là, je pense. C'est pas là. À 4 AM. Moi, c'était le matin, genre, j'étais chanceux. C'est le matin, juste avant que j'aille à l'école, genre. Ça fait pas le tour, ça gosse. Peut-être si on y amène le casque, on va peut-être dire « Ouais, le gilet... » Bon, comment ça se fait que j'ai... Ah, tabarnak. Excellent, avec ce casque, ça va le faire. Il faut toujours une vraie veste d'ouvrier. Tu as trouvé ça? Tabarnouche. J'ai pas trouvé la veste. Une veste d'ouvrier. Attends une minute. Lui, il est rouge. Lui aussi, il est rouge. Tu veux ma tenue? C'est important la sécurité.
Ça vient des boutiques de vêtements et de chapeaux. Mais je crois pas qu'ils auront ta taille. Ah, attends une minute. Genre, t'es en train de me dire qu'il y avait pas juste le chapeau? Ah, oh, mais il y a une... Attends une minute. Non, ça va pas être ça. Ça doit être là, dans la boutique qu'on vient de voir là. Non, mais je veux pas le voler! Mais comment qu'on fait pour te l'acheter? Non, non, non. Tu ne voleras pas ça. Écoutez ta sauvagerie. Ah, t'as une minute. Il a dit qu'il aimait pas la musique punk. Ça doit être ça. J'ai la cassette, puis je dois sûrement le mettre dans une radio, puis ça va le faire chier. Ok, mais trop facile, what the fuck? Yo, 200 IQ! Salut Kiki, ça va bien? Je viens de finir. Ah, yo, là, hey, quoi? You, the lineum? Quoi, quoi? Elvis, ça va bien? Parfait. Cette veste est exactement ce qu'il nous fallait. Ok, mais bro, comment j'ai fait pour. Je dois m'habiller. Tu veux bien te tourner? On n'a pas fait l'animation. Ah, bientôt, c'est un numéro 1. C'est une numéro de Stellar. C'est super. Ça me boudine un peu au niveau de la taille, mais ça ira. Ça me boudine. Ok, saute dans cette boîte et je te fais passer le point de contrôle. Excellent, man. Excellent. Ça a quand même bien été. Ça a été quand même vite, la ville. Est bien faite. Un peu moins complète que la première, mais c'est cool. Même si le robot avait du gras. Je sais pas, hein, ils ont toutes des expressions et tout. Comme pourquoi déjà les robots ils dorment, genre? C'est qu'on va aller. On est vraiment dans... On est rendu dans Metal Gear, checkez ça. Il y a des boîtes, il y a des chats. Attends une minute, comment qu'on va contourner le robot? Incroyable. Des années de jeux vidéo. Le tour, genre, c'est quoi? Ok, il tourne. Ok, admettons que je voudrais aller dans l'autre boîte qui est juste là. J'imagine, y'a rien là. Y'a rien là. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est direct dans le truc, je vais aller dans la boîte, ben bravo! Bon, ils m'ont déjà oublié. Ça me va. Ah, je pense que je vais aller de l'autre côté.
Mais encore. Ok, c'est bon, c'est bon. Jusqu'à maintenant, tout va bien. À cause de la mise à jour Windows. Ah, puis là, c'est pas surveillé à cause du truc qui est là. Okay. Oh, il va pas à même vitesse! Ah, oh, ça c'était nice. Côté peut-être. Une minute. Explorons un petit peu. What the bon. C'est un raccourci? Ouais, c'est un raccourci. C'est bon ça, c'est bon. Ça a l'air d'être incroyable la vie d'un chat, à vous. Hein? Tout ça pour revenir au point de départ. T'as-tu vu ça? On est arrivé ici. On est arrivé ici. Oh shit, je pense vraiment. Sérieux? Okay, mais il faut trois batteries, genre? Ah, il en faut sûrement un autre qui est là. Je pense qu'elle est juste là. C'est ça? On dirait bien. Y a-t-il une façon d'entrer? À part en haut. Je pense que... Je pense qu'il faut que j'amène la batterie qui est là. Attends, attends. J'ai fini. Salut Black Star, ça va bien? J'ai fini en 6h30. Mais je pense honnêtement que pas avoir streamé, je l'aurais fini un petit peu plus tôt. Peut-être aussi de l'avoir commencé plus tôt, je l'aurais fini plus tôt, évidemment. Mais hier, quand on a arrêté, je trouvais que c'était le parfait moment. C'était le moment qui était parfait, là. Ah, là, ça, c'est bien, ça. Tonneau roulé, ça passe, mais... Must be weird, Skyrim. Genre, exactement, genre, tu brises tout. Tu brises tout, genre, dans l'auberge. Tu ramasses une pomme qui est écrite en rouge. Non, man. Genre, je t'arrête. Un poids, il faut un autre poids. Genre cette affaire-là? Cette affaire-là, je peux pas le faire passer l'autre bord. Est-ce qu'on a un autre...
Le tonneau, ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que faire rouler le tonneau, faut qu'il passe l'autre côté, right? Ça a l'air de faire descendre. Ça a l'air de le faire descendre. C'est ça, comme ça, là. Stop! Parfait. Exactement. C'est bon, il y a... Chaque truc fait plus ou moins... Je comprenais pas, genre, je me suis dit, d'après moi, c'est genre, t'en mets deux. Ça le fait, mais ouais. What? Allô, ça lag! Ok, c'est bon, on est sur PlayStation 5, hein. Ça y est. Vite, filons avant d'arriver des sentinelles. Il faut ramener cette pile à Clémentine. Je vais où? Ok, je vais aller là. Asti, que ça rame! Qu'est-ce que c'est ça? Attends, mais y'a-tu un souvenir pas loin? Nope. Mais non, mais n'importe quoi, genre, on aurait pu rentrer par là. on fait déguiser un gars. On fait déguiser un gars tout le kit, puis l'entrée est juste là. Mettez des perches, des planches, je sais pas. C'est-tu genre un... Acheter un gun avec un... Un pic au bout. Un grappin. Quelque chose. Ah, mais t'es un chat. Ah, shit, man! Vous pas voler notre spot! Mais vous volerez pas nos... Quoi? Vous pouvez voler notre spot, mais vous volerez pas nos mouvements! Ha t'es fucking laid, man. Fucking laid, le gars. Je me faufile, mais je m'en fous. Ah, shit! C'est revenu! Incroyable, Metal Gear. Snake! Pouh, t'as-tu vu comment il a breaké le chat? C'est incroyable. Ah ah ah, contourné. What the... Ah, c'est barré! C'est dans la boîte! C'est tellement violent! Yo! J'suis un peu déçu de moi, là, par exemple. Attendez, là. Zone sécurisée. Ok, j'ai compris. Premier étage, facile. Deuxième, ils ont barré le truc. Je me suis fait avoir comme un noob! Comme un noob! Allô? Hein? Speedrun. Speed. Ok, parfait. Là, on est bon, là. Là, on est revenu, là. Vous voyez, ça n'a pas pris de temps. Bon. Là, ils ont bloqué le chemin, les tabarnouches. Ah, ça doit être là, maintenant. Faudrait que je passe en arrière. Tellement malin, man. Tellement malin. C'est vrai qu'il se retourne, genre. Puis je fais fuck. Oh shit. Se retourne-tu? Je pense pas.
toute beauté. De toute beauté, ça a été super bien fait. Ok, good. Le cradaille, ça va bien. Bonsoir, Lemos, comment ça va? Tu es mon streamer gamer préféré. Incroyable, merci beaucoup. Pas de just chatting qui a dit par exemple. Clems? Aucun signe de Clémentine? Oh! Qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de message codé. On va devoir jouer au détective pour découvrir ce qui lui est arrivé. Regarde. C'est une blague. Là, à l'attention de B12 et du chat, la réponse est dans mes affaires. Et puis, il y a 4 symboles. C'est signé Clémentine, regarde. Quoi cette merde encore? Quoi? Un oignon. Hein? Attends une minute. Il y a quelque chose qui cuit, je pense. Attends une minute. On va zoomer. On va zoomer parce que ça sera pas possible. Hein? Qu'est-ce que j'ai. Ah, la pile. C'est quoi ça? Les gars, ils jouent pas au jeu. Bon, attendez une minute. Il y a quelque chose. Le quatrième, c'est clairement genre la lampe lava. On dirait genre un. On dirait une gousse d'ail qui est en train de tuer. Un cristal. Une soucoupe volante avec des pattes. Puis une lampe volcanique. Bon, est-ce que tout ça doit être dans l'ordre? Attends une minute. La gousse d'ail. Attends une minute, ça doit être ça. Inspecter. Les capteurs ne peuvent pas détecter que... Quoi? Mes capteurs ne peuvent détecter que les produits chimiques inoffensifs à l'état gazeux. Ils ne peuvent pas recréer la sensation de l'apaisement. Non, mais attends, ça tue rapport? Comme moi, les compagnons n'ont pas l'odorat. Alors, je me demande pourquoi ils ont fait ça. Ah, il y a aussi un message caché sous le récipient. Bon, c'est parfait, ça. Il est écrit... Je suis avec... C'est ça, le premier, c'est ça. Le premier, c'est cette affaire-là. Le deuxième, c'est un genre de cristal. Montons en haut. Je peux pas monter. Ah! Regardons ça. Ah, c'est parfait, on va pouvoir monter. C'est là! Gem est une valeur moyenne. Mais on s'en fout, c'est quoi le... Bingo! Il y a le message Blazer. Je suis avec Blazer. Il est écrit. Ok, le troisième étant... Une soucoupe. Avec des pattes. Soucoupe avec des pattes. Soucoupe avec des pattes. Peut-être là. Peut-être une plante. Inspecter. Ah, ça doit être ça! Hein? C'est un drôle de truc à mettre dans un appartement. C'est ainsi que les compagnons voient les humains. C'est marrant. Regarde, il y a quelque chose... Ok, je suis avec Blazer, venez au... Et le dernier étant... Une lampe lava. Il y en a deux. Peut-être celle-là en haut. J'ai entendu demander qu'est-ce que c'est, mais ça brille et c'est un peu envoûtant. Désolé, j'étais absent. J'avais même pas marqué ce message-là. Au club. Ah, mais là, attends une minute. Je suis avec Blazer, venez au club. Parfait. Hey, pour vrai, c'est bien trop facile. Allons la retrouver là, c'est Exapresse. Et non, mais... Je me suis fait gonner! Direct gonner! Snake! Colonel! Attends, mais j'ai-tu fini la... Ah, c'est bon, le truc. Snake!
Je pense que ça pourrait être drôle. Si on joue à Metal Gear un jour, ça pourrait être vraiment drôle. Genre, c'est tellement violent comment qu'il gunne le chat, j'en viens pas. Ok, attends une minute. Je vais faire le fou. Êtes-vous prêt? Je vais faire le fou dans pas long. Je fais le fou! Parfait. Le club étant... juste ici. Pas pour toi, va-t'en! J'ai monté la batterie, ça fait pas de sens. Hey, c'est Simon! Je doute que le videur nous laisse rentrer. Hey, les gars! Je crois qu'il va encore falloir qu'on grimpe par l'arrière. C'est par l'arrière qu'on va grimper. Ah ouais, ok, je vois le genre. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Salut mon pote, pourquoi tu viens pas plus près que je puisse t'observer? Ah ben regardons ça. Salut, comment t'es monté ici? Tu veux faire la fête avec nous? Allez, entre et viens boire un coup. Cyberpunk. Le club, j'avais hâte. L'as-tu vu, coudon? Je peux pas parler au barman? Salut tout le monde, ici DJ Matsy, que la fête commence. C'est la première chanson demandée par notre notre ami, plus que douteux, Blazer. Comment il est où? Il manque un levier. Clients, l'accès au balcon VIP est fermé. C'est réservé à des affaires privées en ce moment. Je crois que c'est un certain Blazer qui l'a réservé. Je vais aller en bas. Je vais aller en haut. Attends, mais... il y a un X. Pourquoi il me fait pas monter en haut? Ah, parfait. C'est qui s'en passe d'affaires ici. Mais non! Ok, parfait. Il est là, là. Là, là, sur le truc qui est là. Mais non! Je peux pas monter sur la... Comme on a un chat, ça pourrait monter là, là. On est d'accord. Attends une minute. Il est où ton maudit balcon, là? Ah ouais, quand même. Ok, wow. J'en ai mal à la tête. Ah, oh, attends une minute, il y a de l'herbe. Je peux sûrement grimper là-dedans. Yo, j'ai des griffes. Voir, je peux pas monter là. Cette musique-là est dégueulasse. Je pense que j'ai compris. Hop, ça, ça descend. Hop, je monte. DJ, pas tant de choses, il fait monter le truc. Parfait. Ah, mais là, on est bien, là. Fuck. Je pense qu'il faudrait que j'aille celui de l'autre côté.
pêche ça, man. Bon, attends une minute. Je pense que... Ouais, ok, c'est ça. Il faudrait que j'aille celui-là, mais il n'y a pas le levier. Inspectons un peu. J'ai payé un supplément pour avoir les pas de danse du soir après auprès du videur. C'est lui qui programme les hologrammes sur son temps libre. Les autres vont se fight. Pas du tout. Tu l'aimes mon masque? C'est moi qui l'a fait. Ça brouille les scans des sentinelles et il est trop cool. Ok, toute une danse. Mes yeux! Attends une minute. Ça, c'est quoi ça? Ah! Prendre. Boisson bizarre. What? Si je m'en vais? Quand j'étais humain, mes amis et moi, nous rassemblions pour faire la fête toute la nuit, quitte à en subir les conséquences le lendemain matin. Ça faisait du bien d'éprouver de la joie malgré nos conditions d'existence invivables. Et ces conditions n'ont fait que devenir de plus en plus sordides sous la surface. Tout comme l'avidité capitalistique d'entreprises comme Neko Corp. Il est un policier créé par les Sentinelles. Maintenant, je me souviens pourquoi on faisait ça. Oh shit, j'en ai tellement skip! On est à la fin, genre, what? Ils sont où les autres souvenirs? What the fuck, je les ai jamais vus. Y'a pas un levier, quelque chose, non? Si je vais là? Non, pas du tout. Il est trop tard pour aller les chercher. Ben écoute, comment tu veux que je devine, genre? Pour vrai, j'ai pas l'impression d'avoir skip tant d'affaires, genre. J'ai l'impression d'avoir joué normal. Eh ben, c'est la vie. 75%... Il est pas... Ok, tu dis c'est pas trop tard, je pourrais aller chercher. Ouais, tu penses? Ben là, genre, faudrait que je sorte du bord, que je tourne en haut. Ah non, ça me tente pas. Ok, c'est parti! On va tout casser! C'est là qu'on apprend que le levier est pas dans le bord, il est à l'extérieur. Un pas sur la gauche, un pas sur la droite. Bip bop bip swip la ba 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 ba. Pas, c'est nul ce club. Ah, il est là! Il l'a dans les mains! Quand j'ai voulu rentrer dans leur salle VIP de crétins, ils m'ont éjecté. Moi? Tu le crois ça? Alors j'ai volé le levier juste pour déconner. Si tu m'offres à boire, je te donne ce stupide levier. J'en ai pas besoin et j'ai pas envie de me prendre avec. Me faire prendre avec. Ça tombe bien. Oh, merci l'ami. Tiens, comme promis. Ah non, mais je l'ai lu, c'est ça. J'ai compris, c'est pas genre... Il est pas trop tard, ouais, c'est ça, excusez, mais c'est ça que j'ai dit, genre. Excusez-moi, je lis tout crush. Ok, mais je peux te sauter? Oui. Mais ouais. Genre, honnêtement, me tourner dans... Ça se trouve, c'est peut-être dans l'usine. Je sais pas si tu réalises, c'est peut-être... Ça se trouve, il y a des souvenirs qui sont dans l'usine que j'ai skip. Je vais vivre avec. Qu'est-ce que tu veux faire? What? Attends, mais là, j'ai trop de trucs, genre. Ok, j'appuie là.
je pense que c'est bon. Ah! Mais non, mais... Il s'en va! Le con! J'arrivais. J'entretiens d'excellentes relations avec les sentinelles. Je ne comprends pas que les gens leur reprochent. Incroyable. Ben content. Hein? Elle est attachée. Mais non, si ça se trouve, Blazer, c'est un tout du... Oh, Blazer, man. D'une pierre deux coups. T'es pas aussi malin que t'en as l'air, le chaton. Enfin, je t'en veux pas. Les affaires sont les affaires. Il y a des gouttes de sueur dans l'écran, genre, ok. Et les affaires, c'est de l'argent. Et pour moi, l'argent a plus de valeur que l'amitié ou la camaraderie. Ils sont à vous. Fuck! Game over, yeah! Al-Sharaz, oh non. Mauvaise fin. Jean, t'imagines? Fuck! C'est dead. La vraie question, c'est pourquoi mettre un chat dans une cage au-dessus d'un pit d'acide, genre? Là, tu poses trop de questions. Oh non, on est rendu un chat normal! Tout ça pour ça. Garek, on va se refaire, là, check bien ça. Check ça, je suis déjà parti, là. Ça veut quoi, j'aime ça, prison. J'aime ça, genre, là, man. Moi, je pensais que c'était ce jeu-là qu'on allait jouer. Depuis le début. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pensais que ça allait être un jeu, on avance, il y a les chats et tout. Ils ont l'air torturés, genre ça va pas bien. Il y a clairement quelque chose à faire avec lui. Si je pourrais bien faire. On est en haut. Ouais. Ah, c'est bon, c'est ici. Tellement cool, vivre la vie d'un chat. Regarde ça. On se faufile où on veut. Non mais direct dans le trou. Direct dans le trou. Mais non, est-ce qu'il prend 2000 ans le chat au score?
Finalement, je suis pas mort. Chalut. Ça va bien, Joe? Parce que celui d'en bas, il est alerté pas à peu près, là. Il est sur le qui-vive, son œil est dilaté. Bon, qu'est-ce que je fais, là? On l'a mis sur... Oh! Ok, tant mieux. Ah, oh, il y a quelque chose ici. Ah, on peut passer d'une cellule à l'autre. Je vois bien toi, ça va super bien. Ça y est, les jeux de mots sur les chats. Mais... C'est étonnant, hier, il n'y en a pas eu. Ça y est, le gars, il est à jaune à fond. Il y a pas moyen de le... There's thank you. Il était buggé. Je pense qu'il était buggé. Il était en mode genre je reste jaune. Puis je bouge plus. On l'a comme réinitialisé. Wow, check-le, il est tout buggé. Il sait plus où donner de la tête. Salut étoile, ça va bien? Mais calic! Faut que j'arrête de faire ça! Il jam bien raide. En tout cas, t'as évité la catastrophe. En haut, maintenant, il est rendu à bouger. Je suis pas fou. Tu sais, je vais, je comprends rien. J'ai envie d'aller là, j'imagine. Ah oui, ok, c'est là que je vois, ok, je comprends. Wow! Oui, toi, ça va numéro 1. Tout à coup, le jeu n'a plus de dialogue. Faut aller là, faut aller prendre la clé. Parfait. Genre, le jeu vient de changer de... De méthode. Genre, depuis le début, il y a des dialogues à plus finir. Puis là, tout à coup, non. Les robots, ils parlent plus. Ils parlent plus en humain. Ok. Là, c'est easy. Je retourne. C'est un souvenir, ça? C'est bleu comme un souvenir, mais c'est pas ça. Ça, c'est fusé. Purfait! En gros, les devs ont pas eu le temps de finir le jeu, alors ils ont mis ça. Ben, on dirait des fois par bout, les séquences sont comme pensées un peu pas pareil, genre. Ils sont pensées différemment. Ah, c'est là qu'on va aller, je pense. Moi, je veux B12! Je veux mon robot B12! David Goodenough. David Goodenough. Puis quand ils ont trouvé qu'il y avait un vrai David... Non, en fait, c'est vraiment un vrai développeur de jeu, là. David Goodenough. Ils l'ont trouvé, je pense, le vrai développeur qui s'appelait comme ça. Puis ils ont expliqué l'histoire avec le joueur du grenier et tout en France, comme quoi il était... Son nom était cul. Puis il a trouvé ça drôle. Ça fait partie de l'Internet. Le gars, il était pas fâché, là. Ah, qu'est-ce que c'est?
Y'a plus de dialogue! Allô? Ah, mais attends une minute, je pense que je comprends pourquoi il n'y a plus de dialogue. C'est nous qui est con. Je vous explique pourquoi. Je suis con. C'est que c'est B12 depuis le début qui traduit. Puisqu'on n'a pas le robot sur nous, on comprend pas le langage des robots. C'est le robot qui traduit ça. Ben c'est ça, je suis en train de me dire, finalement ça fait du sens. Pour moi, ça c'est une bonne idée ça. Mais que le chat... Attends une minute, que le robot sait parler au chat puis explique tout, ça c'est quand même fou. Ça vaut quelque chose d'aller là. Une boîte, je m'en ai pris. Ouais. D'après moi, c'est juste pour. Attends-le. Genre. Comment ça va être ça? Regardez comment il se penche le petit chat. Ah oui, c'est trop bien fait. Regardez ça! Voyons, c'est bien trop facile. Qui inspectent ici. Ils sont combien? Je pense qu'ils sont 3. Okay. Et voyons, il est coincé dans quoi? Il y en a un qui le regarde tout le temps. Non, pas tout le temps. Comme mettons là, il faudrait que j'y aille. Genre. Aller par la fenêtre qui est là. Colique, mais oui, mais si, comment tu veux je... La 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 la. Wow! Ok, c'est beau. Ben correct. Tout est beau, jamais vu ni connu. Oh my god! T'as plus ton petit sac à dos à vous. Ah non, on l'a. J'avais l'impression d'être à nouveau enfermé dans le système informatique de mon labo, tout seul. Mais tu es revenu pour moi. Je n'arrive pas à y croire. Tu es vraiment un ami. Je suis vraiment ravi qu'on se retrouve, mais c'était pas encore en sécurité. On n'est pas encore en sécurité. Il faut qu'on trouve comment sortir d'ici. Tu peux ouvrir cette porte? Qui branle? Okay,
Est-ce que tu choisis la couleur du chat? Non, je choisis pas. C'est un chat caramel. Attends une minute, là, on est bloqué. Je vais recasser une vitre, puis je vais passer à droite. Oh shit, man! Vas-tu me pitcher? La courte échelle. Tellement cool, ce bout-là. Par contre, c'est tout le temps des manivelles, à un moment donné. Peut-être un petit bouton, je sais pas. Ah ben là, j'en pourrais rien faire. Ces sentinelles bloquent à nouveau le passage. Elles vont me repérer immédiatement. Si tu essayais de les attirer dans ces cellules pour les enfermer. Quoi le plan? Attends, je vais ici. Ah ouais, carrément, ok. Bon, ben on va essayer. Centre de récupération m'a fait le plus grand bien. J'ai l'esprit clair et lucide. Je suis un citoyen exemplaire. Ah, lui, il dit absolument rien. Hey Carlito! Miaou, 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 je suis un chat. Salut Nevo, ça va bien? Ça aurait été nice de le pimper. Ouais, peut-être. Mais je pense qu'ils veulent sûrement en faire un peu la mascotte du jeu, donc... ils évitent genre de... Ah, il y a un souvenir. Ils veulent vraiment que le chat soit standard. Là, je dirais. Oui, et toi, ça va super bien. Ce pauvre type. On dirait que les sentinelles sont sans pitié pour ceux qui les défient. C'est bien ce que je craignais. Elles l'ont complètement annihilé. Plus que plus aucune émotion, plus de conscience de soi, plus de souvenirs. Je t'en supplie, on ne doit pas se faire prendre. Ah, tabarnak. Il en manque tellement! Ça me rend triste. Wow, le loading! Qu'est-ce qui se passe? On n'a eu aucun problème avec le jeu depuis le début. On en a combien? On en a deux. Mais celui-là, je pourrais le mettre dans la cellule qui est juste là. C'est ça? Ah, c'est la même affaire. Ok, ok. Ok. Les fins de jeu, Nev, les bouts les plus botchés de toute l'industrie de jeux vidéo. Mais t'as raison, le pire, c'est parce qu'il y en a qui savent qu'il y en a qui finiront jamais les jeux. C'est fou, cette affaire-là. C'est le artwork de Weird Ass Dusk. Ah, je t'ai vu jouer à ça! J'ai lurké un peu, je fais, c'est quoi, cette affaire-là? C'est le nouveau jeu sur le Game Pass? Hein? Attention, c'est parti! Ils ont comme filmé des vrais acteurs, je sais pas trop quoi. C'est ça, bye bye! Le plus vite possible! Pouah. Quel talent, man.
Fait que les influenceurs sont capables de jouer au début du jeu sans bug, on est good. Effectivement. Ah, comme Detroit! Ça doit être popé d'abord. C'était pas dans ma liste de... C'était pas dans ma liste de priorité, mais je l'ai vu passer, genre. Bon sens. D'après moi, on va se faire tuer. C'est trop beau pour élever. Cette porte, c'est le seul moyen de sortir de cette prison. Je crois qu'on peut l'ouvrir à partir de cette salle de contrôle là-bas. Mais il faut qu'on trouve comment accéder à cette salle. Fouillons les lieux. Dans quoi je suis coincé? Il y a ça? Je peux sauter sur le BC? Non. Dans quoi qu'on est coincé? Dans... Ok, man, il y a plein de... Ah, regarde ça. Encore mon... Je marque mon territoire, man. Clémentine, non! Des dettes, du meurtre, de la dope, une famille déchirée, ce jeu est fou. Pour vrai, t'as l'air de... La façon que tu décris ça, ça a l'air bon. À la fin, Neve meurt... Et incarne un chat. Oh non, mais là. Je meurs à la fin, ben oui. Bon, attends une minute, là. Qu'est-ce que ça donne, ça? Inspecter les lieux. Genre en haut? Ah oui, en haut, on pourrait. Non. Attends une minute. Non. Ah. Ils vont aller prendre la clé. On a de la chance. Ils ont laissé les clés de la porte. Grimpe à l'arrière du camion. Tu devrais pouvoir sauter par-dessus la barrière et accéder à la zone sécurisée. Incroyable. Il suffisait que d'observer. Le chat caramel. À vous, on dirait un Tarzou, le chat Alex. Qu'est-ce qu'il fait, là? Je monte en arrière? Ah! Oh! Tout? Attends une minute, tout ça, ça... Attends une minute. Si j'appuie là-dessus, c'est sûr qu'il va y avoir une alarme. Je connais mes jeux vidéo. À moins qu'il se passe rien. Attends une minute, on va tester. Metal Gear! Ok, non, je... Vite! Oh shit, man! Non, mais je suis pas là, je suis pas là! M'as-tu le pogné, le truc? Ok, c'est bon. En fait, j'ai vu une cible encore plus facile. J'ai oublié un souvenir dans la boîte électrique en haut. Incroyable. Attends, là, c'est une grosse cinématique, ça, pour la fin du jeu. No joke. Mais on a plus la batterie? Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? On y arrivera jamais avec les sentinelles sur le dos. Asti, je savais. Je peux détourner leur attention un instant, mais tu dois partir. Asti, je le savais! Je le savais! On va se sacrifier! Le manifeste des extérioristes dit: nous devons atteindre l'extérieur à tout prix. Je l'ai écrit. Oh, mon chat, il a l'air d'être en plastique, là. Tu es l'un des nôtres maintenant. Nous ne serons pas tous obligés d'atteindre l'extérieur, mais l'un de nous doit y aller. Objet clé.
Vas-y maintenant. Tu resteras gravé dans ma RAM, petit extérioriste. Va-t'en, va mourir. On aurait eu le temps de partir les deux. Mais non, mais attends une minute. On est revenu. Ah, oh, on est revenu à l'entrée de la ville. C'est ça, puis le métro, comme il disait. La batterie est pas dans le métro. Je fais quoi, là? Hein? Faut sûrement ouvrir la porte, quelque chose? Non? C'est quoi qu'il va me dire, là? Ouais, Clémentine va bien. Remettons la RAM en service. Et sortons d'ici. Ah oui, mais où? 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 C'est pas là. Si? Attendez, je comprends pas. En arrière? Ah, ça doit être là. Oui! Ah, what the fuck, la batterie, on l'a gardée? Le gars, il a pas pris la batterie? Ah, je suis tellement perdu. On est en prison, puis on a la batterie. Je comprends pas. Ils nous mettent en prison, puis ils reprennent pas leur batterie. À moins que c'est l'ordinateur... À moins que c'est le robot qui a la batterie à l'intérieur de lui. Puis ils sont pas capables de l'extérieur. Ok. J'active ça? Non. J'aille là? Oui. Là, ça finit-tu de même? Il y a un autre chapitre. Ça va peut-être finir de même, je sais pas. Pas les pas. La fin du jeu, oui, Kamto, c'est la fin du jeu. Premier chat opérateur de train, let's go! Salle de contrôle, ah c'est pas fini! Prochain arrêt... Berry-UQAM. Un chat qui conduit un métro, n'importe. Écoute. Je peux pas faire une pay job qu'à Montréal. Damn. C'est clean, ça? Mais regarde donc. Toi, t'es beau? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ben maintenant, il y a un robot. Bonjour. Ah, oh, ça doit être des vieux formats de robots, ça. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Ils n'ont pas de nom, là, c'est assistant, genre, whatever. Du. Oh, ça fait weird de voir quelque chose de propre demain. Salutations, habitat de la cité murée 99. Wall City 99, ça doit être ça. Attends une minute. Raconte quoi? Je suis en train de peindre ce secteur. Attention, la peinture fraîche. Bonne journée à vous. D'accord. Wouah, le truc c'est Midgar, man. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut mieux le voir? Checkez ça! Depuis le début du jeu! On était dans le taudis en bas. Là, après, on est allé là, dans la ville, cyberpunk. Puis là, ben, on est comme en haut. Prochaine étape, c'est vraiment de sortir, genre, de cette affaire-là protégée. Ton micro, il est pas dans la liste de ton... c'est un Shure? Il me semble que je l'ai mis. Le Shure que tout le monde a, le SM7B, je sais pas trop.
avec un go XLR. Le classique streamer. Le protocole de sécurité empêche d'ouvrir la salle de contrôle. Il est écrit que seuls les humains sont autorisés à entrer. Il est aussi écrit que je ne suis pas considéré comme étant humain. Eh, c'est pas gentil, ce protocole de sécurité. Peut-être qu'en collaborant, on pourrait ouvrir cette porte. En collaborant. Je vais collaborer quand même. Ah, attends une minute, y'a-tu un souvenir, ça? Non, pas du tout, c'est un arbre. Dès que je vois genre de la fumée pis des pixels, moi je suis comme... Ah, un souvenir! Ah, attends une minute. Veuillez consulter tout ingénieur certifié à l'intérieur de la salle de contrôle en cas de réclamation. Bonne journée. Hein? Salle de contrôle, control room, ça va être bon, ça? Mais c'est quoi qu'il veut? Attends une minute, je suis comme un peu confus, là. Mettons qu'on retourne là. Ah non, attends une minute, il y a un truc à côté. Ah! Faudrait peut-être que je... Je mette de quoi au sol? Ah, ça doit être ça. Faut sûrement m'amener un truc. Est-ce qu'il y a une boîte? Ah, lui il a l'air pas pareil comme les autres. Salutations habitants de Cité Murée 99. Cette porte qui mène à la surface est actuellement verrouillée pour cause de procédure de confinement. Veuillez consulter tout ingénieur sorti à... Bonne journée, oui, ok. Attends une minute, il me faut vraiment un truc pour grimper. C'est juste ça? Ah, mais là, il est là, hostie, what the fuck, on voit rien. Ok, viens-t'en. Bon, il se place tout ça? C'est trop parfait, ça manque de chat pour mettre le trou. Est-ce que tu aimerais être mieux le chat à la Garfield ou espiègue, mais tu dois te battre pour ta nourriture? Ah, moi je serais Garfield 100%. Un chat nourri à la lasagne, man? Comment tu veux battre ça? Il doit pas vivre longtemps ton chat nourri à la lasagne, mais ouais. Mon Blue Yeti sonne cacatière un peu. Ben là, c'est clair, bro. Nénours. C'est clair, un Blue Yeti, c'est... Genre, même à l'époque, j'utilisais pas ça. Un AT-2020 de base, c'est déjà mieux. Bon, mais là, tu sais quoi cette affaire-là, encore? Je monte là. Je fais triangle, mais le triangle, il est pas... visible. OK. Ah! Ah, là, on l'a pété comme du monde, ok. Là, je comprends. Salut, Sultan, ça va bien? C'est la première fois qu'on fait ça. La première fois qu'on fait ces grippes dans du fil. C'est la salle de contrôle pour la ville tout entière. Il génère tout d'ici. Et c'est vide. Je me souviens à quel point je les détestais. Ils avaient tout. L'hygiène, un pouvoir illimité, la liberté de... Wow, ça change. La liberté de mouvement. Ça ne leur aurait pas porté chance. C'est pas. Peut-être qu'ils sont remontés à la surface. L'épidémie. Je me souviens maintenant. Tout le monde mourait. Ils se croyaient à l'abri. Ils n'ont rien fait pour nous aider.
J'ai vu mourir ma famille. Je me sentais impuissant. Je ne pouvais rien faire pour les aider. Pensez-vous que c'est le COVID? Mais je peux encore t'aider, toi. On peut encore sortir d'ici ensemble. Je vais transmettre les souvenirs de l'humanité et des gens que j'aimais. Ok. C'est celui qu'il faut aller. Avec ce jeu, je comprends enfin que mon chat nique tout dans la maison, c'est trop satisfaisant. C'est ça! Oh yeah! C'est l'ordinateur central. Selon l'ordinateur central, personne n'est venu ici depuis des années. La ville toute entière est bloquée dans un cycle de confinement depuis longtemps. Si on le désactive, on devrait pouvoir partir. Il va falloir remettre en ligne le reste de ces systèmes. Les ordinateurs contiennent les données dont on a besoin. Il faut les allumer. Pendant que tu fais ça, je vais chercher les mots de passe et les clés encodées pour rentrer dans le système. Incroyable. On est chum, on va allumer des ordi, là. C'est drôle, mais ça me paraît pas clair non plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je pense qu'il a réussi à faire le coup. Il faut que je fasse, je comprends rien. Il a l'air de faire sa vie tout seul l'ordi, puis. Faut allumer toutes les rangées d'ordinateurs. Ah, mais comment je fais ça? Faut juste que je marche sur les claviers. Ok. Ok, c'est évident. Ah oui, c'est évident. Tu marches sur un clavier. Ça a marché. Bon travail, mon ami. J'ai trouvé. Je sais comment ouvrir la ville. Mais il y a encore un truc qui cloche. Attends, il y a peut-être un moyen. Voilà, c'est la station de travail pour ouvrir la ville. Mais il y a plusieurs niveaux de sécurité qui nous empêchent de l'utiliser. Et maintenant, il faut qu'on fasse... ce qu'on sait faire le mieux. Moi, je pirate les machines et toi, tu sors les griffes. Incroyable. Genre là. Il y a un ordi qui est là, il y en a un autre qui est là. Mais pourquoi ils sautent pas? Ah! Ah! Ok, là je comprends.
Es-tu là? Et c'est ça le Yeezy? Lui, le fil, c'est quoi cette affaire? Le chat, il prend jamais aucune surcharge. T'imagines-tu? C'est pas encore... Ah, ok, faut pirater comme ça. Ok, ça part. Ça par rapport, je pensais que... Okay, c'est pas... Il va se tuer! Il va se tuer! Le système est mieux verrouillé que prévu! Oh non! Il faut qu'on continue! Peut-être crevé. Lui, check ben, lui aussi va se sacrifier. T'inquiète pas, je pourrais me recharger. Ah non, mais il va crever, esti. Recharger quand on aura activé cette station de travail. Il va mourir, man. Il va mourir! Je crois que j'en ai plein la coque. C'est bon, ça va aller. Amène-moi simplement à la station de travail. On peut désactiver cet alarme. Ah, oh, pas bien, man. Le robot, il voulait monter à la surface. Le B12 voulait monter à la surface. Finalement, c'est le chat qui va retourner chez eux, man. Et voilà. Nous sommes saufs. Écoute, je dois te confier quelque chose. Vous savez qu'une énorme quantité d'énergie serait nécessaire pour désactiver le système de contrôle central de la ville. Bien plus énorme que tout ce que ce drone pourrait fournir. Mais maintenant que la sécurité est désactivée, je peux prendre le contrôle du système et ouvrir la ville. Et prendre le contrôle pourrait endommager mon logiciel. Mais je sais que ce choix, quand je suis... Quoi? Mais je fais ce choix quand je suis connecté à cet ordinateur, avec toutes les conséquences qui peuvent s'ensuivre. Je suis désolé qu'on ne puisse pas voir l'extérieur ensemble. Non, il va mourir, asti. Je pensais devoir transmettre les souvenirs de l'humanité pour conserver le passé. Mais je vois un avenir dans les compagnons et dans toi. Allez, laisse-moi t'enlever ça. Tabarnouche! C'était mon ami. Le meilleur ami dont j'aurais pu rêver. Merci. C'était évident, man. C'était évident! On dirait un jouet qui tombe à terre. Timinou! Oh. Oh. Il dort à côté de son maître. C'est cute. Mais là, ça veut dire que tout le monde va pouvoir sortir. C'est sacrifié pour tout le monde, man. C'est sacrifié pour les robots. Ben oui, pis cette affaire-là, ça va mourir. Avec les rayons UV. Très cool, man. Ça désactive les drones. Sentinelle.
Ah, tout le toit s'enlève, là, pas juste le centre. What? C'est triste, mais c'est une belle fin, je pense. Est-ce qu'il a désactivé les drones? Il contrôle la sécurité? Ouais, peut-être ça fait ça. B12! Qu'est-ce qu'il nous fait là, le jeu? Ah, ok, c'est pour... Ok, je comprends, je pensais que j'allais donner des coups de patte. Là, si je reste là, genre... Est-ce que l'autre cercle, il va continuer? What? Ça vibre... Man, il y a comme une vibration dans la manette qui est nice. Check le... Ah, check en bas. Tellement nice. Ok, puis toute l'humanité c'était genre caché là, puis finalement les robots ont pris la place, puis... Aïe, aïe. Vraiment nice, pour vrai. Puis le chat, il se lave, il fait sa toilette pendant ce temps-là. Ok. Ok. Wow. Wow. Tu y allais? Damn. Là, je pense que c'est fini, là. Ah, check le chat! Clap. C'est fini? J'imagine que c'est fini. Mais il n'y a pas une petite séquence de plus? On voit les autres chats et tout? On retrouve nos chats? Ça va comme ça. Mon travail est fait. Au revoir. Les robots vont tuer? Révélation. Ben c'était fini, man. C'est fini, ça se finit de même. Ok! Cool, cool, cool. Moment... Ah, si vous êtes tellement genre des... Comme Zerg, il disait « Bonjour, bonsoir! » Ouais, c'est ça. « Bonsoir! » Salut, Firedox. Genre, le jeu vient de finir. Un moment! Un moment! Calmez-vous, on va attendre un peu. Y'a-tu un truc après la fin, quelque chose? Sortez vos doubles comptes! Exactement, c'est comme les coupons, là. Hey, pour vrai, c'était cool. C'était cool. La fin est nice. Je sais pas si on fait tous les souvenirs du robot, y a quelque chose de plus à la fin et tout. Mais c'était très cool. Bon jeu français. Ouais, un bon jeu qui vient de la France, apparemment, là, comme on a vu, qu'on a entendu hier. J'ai bien aimé. Ouais, c'était cool. Après, ça fait très jeu ligne droite, jeu Game Pass. Là, c'est pas dans le Game Pass, évidemment. C'est un jeu du PlayStation Plus Extra. Mais, ouais, c'est cool. J'ai l'impression que... J'en ai parlé au long de la soirée d'hier. J'ai l'impression que... C'est comme il y a des séquences... C'est comme la première ville, là.
genre, what the fuck, c'était tellement complet, on pourrait se promener partout et tout. Puis là, plus ça avance, c'était une ligne droite. J'ai l'impression qu'ils ont... Je suis pas dans le secret des dieux, là, mais j'ai l'impression que le jeu, c'était une ligne droite. Ça, c'était comme, t'avances. Puis, à un moment donné, ils ont fini le jeu, ils ont dit, attends une minute, on va ouvrir la ville, on va faire une grosse ville. J'ai l'impression que c'est arrivé à la fin. Parce que c'est tellement étrange, dans le pacing du jeu, t'as vraiment comme... Tu fais un chapitre ou deux chapitres, pis là, boum, t'as un hub, t'as genre un gros jeu, t'as comme t'as une grosse ville avec des quêtes secondaires, pis là après c'est comme, ok, on retourne dans un... retourne dans un couloir. Je sais pas si c'est juste moi, là, mais il me semble que c'est 30. Mais c'est correct. Je pense que je donnerais un 8 sur 10. Je sais que le monde me dit des fois, hey Nero, c'est quoi la note que tu lui donnes? Je pense que c'est un 7. C'est un 7, comme The Gung pis tous ces jeux-là. On dirait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur, genre. Genre, c'est quoi la prochaine étape? J'ai bien aimé. Moi, je suis content que vous ayez aimé ça. Il était pas long. Non, effectivement, ces jeux-là, c'est jamais très long. En tout cas, bref. Je vous donne un moment pour ça. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à y voir un moment? Faites un petit rafraîchissement, un petit F5. Êtes-vous prêts? Je pars le moment dans 1, 2 et 3. C'est parti. Ça part pas. Ok, là c'est beau, c'est parti. Donc un autre jeu de terminé. Et voilà. Gap puis Mirador. Yeah! Il y en a qui sont contents là. Peut-être qu'il y a quelque chose après les crédits. Non. Hey, tu vois? Après les crédits, ils auraient dû mettre, genre, le chat qui retrouve d'autres chats. Ça aurait été cool, genre. Ça aurait été cool. J'ai un moment, puis j'ai juste vu 5 minutes de gameplay. Plus un moment pour mon badge d'argent incroyable. Voyez, c'est pour ça que ça dit, genre, que tu peux finir le jeu en 6 heures. Tu finis pas le jeu en 6 heures. Je suis désolé, on a mis plus que 6 heures. Non? Hier, j'ai commencé quand? D'après moi, ils comptent pas les cinématiques et tout, là. Bon, mais c'était cool. Ah, on attend ronronner. Ah! Oh! Comment c'est cool, regarde ça, le chat est dans l'écran. Dans l'écran titre.